Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi le Sam Hospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler à une bourse, qui est la bourse, une bourse du Canada, à l'université Michael, comme vous voyez là, Michael McBain. Donc on va comme ça essayer de vous montrer comment est-ce que vous devez faire, mais avant de pouvoir postuler, vous savez déjà quels sont les documents dont vous avez besoin, et c'est toujours les mêmes éléments. Voilà, un passeport, des lettres de recommandation. Ici par exemple, comme ça vous devez avoir deux lettres de recommandation, voilà, pour ceux qui vont faire le master et tout ça et doctorat. Maintenant, pour pouvoir postuler, il faut aussi votre extrait de naissance, mettez ça à côté. Voilà, lorsque nous allons commencer à postuler, vous allez voir, et puis vous allez essayer de mettre ça en exécution sur le site. Donc ici, pour pouvoir postuler, c'est très simple, vous voyez ce qui est là. Donc en même temps, j'aimerais vous dire comme ça que la date limite, c'est le 25 août. Vous voyez là, le 25 août. Donc actuellement, ça vous reste 18 jours, 5h, 48 minutes et 4 secondes. Donc, c'est ce qu'il vous reste avant de pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez postuler et puis voilà, attendre les résultats. Et comme vous voyez là, application due September 21-24. Donc, vous pouvez essayer de postuler à cela. Ok, donc ici ce que nous allons faire est très simple. Je vais aller voir rapidement comment est-ce qu'il faut postuler. Si vous voulez, vous pouvez venir là. Voilà, vous cliquez sur l'élément, le grand élément qui est là. Vous cliquez sur postuler, start your application. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez venir là, application. Voilà, ou bien si vous voulez, vous venez là. Dans scholarship, si vous venez dans scholarship, vous voyez un peu quel est, qu'est-ce que cette bourse regorge. Donc ça, c'est ceux qui ont déjà eu la bourse, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc ici comme ça, je vais cliquer sur application, apply here. Donc je vais cliquer là et je vais faire un peu plus rapidement parce que pour ceux qui veulent postuler, ça sera vraiment bien pour vous. Maintenant, pour ceux qui veulent demander nos services pour qu'on puisse postuler pour eux, vous pouvez regarder en description, il y a nos coordonnées là, vous pouvez voir et puis essayer de nous écrire via WhatsApp, vous serez les bienvenus. Donc ici comme ça, nous on va essayer de créer un compte, voilà, parce que on n'a pas de lien sur cette plateforme là. Donc vous allez d'abord créer un compte et lorsqu'on finit de créer maintenant le compte, on va essayer directement de postuler puisque on aura droit à notre compte pour pouvoir postuler. Donc ici vous cliquez sur créer compte, voilà, et là comme ça vous allez mettre votre mail, le nom, prénom et tout ça, et vous allez cliquer sur continuer. Donc moi je vais comme ça essayer de vous aider au moins à passer ce stage là et vous montrer un peu quels sont les éléments qui sont un peu là bas donc ici si je mets le mail, je vais prendre mon mail, le mail pour la bourse, je vais prendre le mail pour la bourse. Donc je vais mettre ça, c'est le mail que j'utilise sur les plateformes de bourse pour ne pas trop charger mon mail. Voilà, donc je vais prendre ça. Et parce que vous allez recevoir un mail dans votre boîte, donc vous allez confirmer. Alors essayez de bien voir votre email pour pouvoir mieux l'écrire pour ne pas vous tromper. Donc après ça, le prénom ou bien le nom, et qui est le last name de famille. Ok, la date de naissance, si je viens par exemple pour un master par exemple, ou bien pour une licence, moi je vais prendre comme ça 2006. Donc février le 7, et je prends 2006 pour que ça soit un peu plus jeune. Voilà, 2006. Donc je vais continuer, vous allez voir que je vais recevoir un mail. Donc on dit ici, a temporary pin has been sent to your email. If you don't receive this image in the next few minutes, please check your junk mail folder. Donc ici on nous dit qu'ils ont envoyé un message dans ma boîte mail et que je dois aller là-bas pour aller confirmer. Ils ont envoyé un message en ce qui concerne mon pin qui est là. Voilà, temporary pin. Donc, ou bien NIP temporary. Donc, ici ils ont envoyé un élément là-bas que je dois aller vérifier. Et on me dit que si je vais et que je ne reçois pas dans les minutes qui suivent, d'essayer comme ça de voir mon spam. Le spam se trouve sur là, sur notre boîte email. Voilà, donc on me dit d'essayer de voir mon spam, que là bas ça peut se retrouver là bas alors je vais aller rapidement pour aller voir dans ma boîte email et ainsi je verrai l'élément qu'ils m'ont envoyé là bas pour pouvoir confirmer.
Donc moi je viens ici pour venir voir dans la boîte mail. Donc je vais voir rapidement si j'ai reçu un mail. Voilà, donc si vous regardez là, vous voyez que j'ai reçu un mail ici. Donc ici il y a activate account et puis il y a activer mon compte. Et lorsqu'un mot de passe vous est demandé, entrez le mot de passe qui est là. Donc ici vous cliquez là et le mot de passe qui est là, vous l'utilisez pour pouvoir venir remplir votre mot de passe qui est sur votre plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je copie ce qui est là, je copie ce qui est là. Voilà, ici je copie. Si vous voulez, vous cliquez maintenant ici, activer account, copier ça et cliquez sur activer mon compte. Voilà, vous allez vous retrouver sur, voilà, sur le même élément que je vous ai montré là-bas. Et de là maintenant, vous allez copier l'élément que vous avez copié là-bas. L'élément que vous avez copié ici, ce qui est là, vous allez copier et vous allez coller là. Voilà, et quand vous finissez maintenant, si vous voulez, vous mettez votre date de naissance ici et moi j'ai pris 2006. Voilà, et vous faites connexion. Voilà, donc s'il y a un élément ou bien il y a un élément qui manque, ils vont vous dire. Donc arrivé là maintenant, vous voyez que vous pouvez passer. Donc arrivé là, qu'est ce que vous allez faire? Vous allez maintenant essayer de créer votre mot de passe ici. Donc nous on va créer notre mot de passe. On dit c'est au moins une lettre et au moins une lettre majuscule, au moins un nombre. Et vous devez avoir au moins 12 caractères. Et voilà. Donc nous on va essayer de faire un peu rapidement. Donc, dans un premier temps je vais choisir une lettre majuscule. Donc si je choisis une lettre majuscule, vous voyez que la lettre majuscule, une fois que ça passe en vert, ça veut dire que j'ai choisi une lettre majuscule et que l'élément lettre majuscule est déjà ok. Maintenant je choisis minuscule et je continue encore en minuscule, je choisis encore en minuscule, minuscule, minuscule et minuscule. Après ça je dois choisir maintenant un nom et avoir maintenant 12 caractères. Donc quand je compte bien, je suis déjà à combien? À 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis à 6, je dois me retrouver à 12 caractères, vous comprenez? Donc ça veut dire que ça reste encore 6 caractères et les 6 caractères, on doit avoir au moins un nombre parmi les 6 caractères. Donc moi je prends par exemple comme ça, aujourd'hui c'est le 7, donc je prends 7, vous voyez que l'élément nombre est couché, 7 2022, vous voyez ça fait 12 caractères. Donc ça fait 12 caractères et ici ça reste l'élément new password must match. Ça veut dire que l'élément que vous avez mis là doit matcher avec ce que je vais mettre là. Donc je reprends la même chose avec ce que j'ai fait en haut. Ça doit être identique. Si c'est pas identique, ça ne pourra pas ça ne pourra pas cocher ici. Si j'ai écrit que c'est pas identique, ça doit dans les normes, si j'ai fini d'écrire, ça doit cocher là que c'est identique. Si ce n'est pas identique, ça veut dire que je n'ai pas trouvé la bonne formule. Donc je reprends ici. Ok, donc ici si j'ai 7 dans les normes, on dit password that don't meet the following minimum security requirements, new password must match. Vous voyez que ici on me dit que ce que j'ai écrit là avec ce qui est là, ça ne correspond pas. Donc ça veut dire que je dois reprendre ce qui est là. Donc un instant, je reprends. Ok, maintenant vous voyez que ça marche. Donc je peux maintenant lancer et quand je lance, maintenant je suis éligible à pouvoir avoir mon compte. Ça c'est mon compte qui est là, vous comprenez, ça c'est mon compte qui est là. Donc vous devez être vraiment très attentif et puis essayer de voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir les faire, pour les remplir. Donc ça c'est mon compte qui est là et arrivé là, je vais cliquer sur créer new application. Donc je vais cliquer là, créer new application. Ok, donc ici
application in progress 2023, 2023, scholarship, demande de bourse, oui. Donc, open application et vous allez maintenant commencer à remplir votre application. Ça veut dire que ici, please select the language of the application form. Veuillez choisir votre langue, vous pouvez dire français. Voilà, ça veut dire que arrivé là-bas, vous allez étudier en français et non en anglais. Et arrivé là, avez-vous obtenu un diplôme de premier cycle baccalauréat ou vous êtes en voie de l'obtenir? Si vous l'avez déjà obtenu, vous mettez oui, je l'ai déjà obtenu. Voilà, je l'ai déjà obtenu. Donc, à partir de là maintenant, vous pouvez maintenant commencer à remplir vos éléments. Et n'oubliez pas, il y a plusieurs éléments à remplir. Lorsque vous remplissez, vous mettez le suivant, vous cliquez continuer et vous allez pouvoir tout remplir. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je vais faire une vidéo tout à l'heure pour vous montrer la suite, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tout faire et terminer. Donc, à tout à l'heure les gars.